Donc, nous sommes le jeudi 3 août et il est 10h15. Donc, voilà, je me suis dit que j'allais recommencer directement un vlog. J'ai terminé l'autre hier. Et écoutez, en ce moment, comme j'ai vraiment envie de colo, je me suis dit, vlogons, voilà. Alors, suite donc à mon vlog d'hier, j'avais posé la question si éventuellement il y en a qui savaient si je pouvais faire des lives, même si je n'avais pas encore 1000 abonnés sur ma chaîne. Et merci parce qu'il y en a quand même bien beaucoup qui m'ont, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns qui m'ont répondu, qui m'ont dit bah oui, pourquoi tu. Oui, tu peux bien sûr faire des lives. Donc hier j'ai voulu, on va dire, essayer. Donc quand j'ai été sur YouTube, j'ai appuyé pour mettre, enfin passer en direct, et ça m'a écrit que ma chaîne nécessitait 24 heures avant de pouvoir passer en direct. Donc là ce matin j'ai réessayé, c'est toujours, je sais pas, peut-être qu'il faut faire, c'est comme une demande ou j'en sais rien du tout, j'y connais rien. Donc pour l'instant je ne peux pas encore faire ça. Après je me dis, est-ce que c'était juste là parce que c'est la première fois et du coup ça demande 24 heures pour que je puisse faire un live? Ou est-ce que ça va me demander ça à chaque fois? Parce que du coup si ça me demande ça à chaque fois, genre, il va falloir que je me dise, tiens, demain, je vais faire un live à cette heure-ci. Donc, il va falloir que je prévoie 24 heures avant de lancer YouTube. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment ça se passe. Donc, écoutez, là, pour l'instant, ça attend. Et puis, j'essaierai quand je pourrai. J'essaierai certainement 5-10 minutes, vraiment, pour voir si ça fonctionne. Parce que moi, je pensais donc filmer avec mon portable. Je ne pense pas que vous verrez ma tête, du coup. Je pense que filmer avec mon portable, mon colo. Et du coup, sur ma tablette, regarder les commentaires. Je pensais faire comme ça. Donc, écoutez, on essaiera quand on pourra. Mais j'ai vraiment envie de faire ça. Je pense que du coup, des lives, j'en ferai certainement le matin. Parce que des fois, les soirs, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de monde le soir. Après, le matin, je ne sais pas trop. Mais moi, le matin, quand il y a l'école, le matin, je suis toute seule. Donc, je pourrais faire certainement des lives, peut-être même deux dans la semaine. Hein, je verrai bien. Ça sera un peu au feeling, quoi. Hein. Je pourrais pas trop dire tel jour, je fais live, mais. Enfin voilà, c'est ce que j'ai dans ma tête. Donc on verra. Niveau colo, je vous avais dit que j'avais choisi un colo dans celui-là. Voilà, le cercle de la vie. Ah oui, puis en plus, je m'étais dit, tiens, je vais faire une petite intro face cam, ça faisait longtemps. Donc voilà, le cercle de la vie. Donc j'ai bien commencé mon toucan. Alors en fait, je vais vous reprendre face bureau. Là, je vais vous bouger un peu avec ma main. Et puis je vais vous montrer ma photo de rêve que j'ai sur ma tablette. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui. Et donc je vais vous montrer la photo de ref et après je vais vous montrer le colo où j'ai commencé. Comme ça vous allez voir un peu. Voilà. Hop, attendez, je retourne l'écran. Oh, ça s'est touché. Bon du coup, au lieu d'appuyer sur retourner l'écran, en fait j'appuie sur stop. Bref, c'est moi. Donc voilà la photo. Est-ce que vous allez voir mieux sans lumière? Voilà. Voir mieux, mieux voir. Sans lumière. Donc voilà. Donc moi j'ai plutôt essayé de faire celui qui est là. Parce que vous voyez son bec, il n'est pas tout à fait pareil que celui-là. Donc j'ai essayé de faire un peu celui-là. Donc maintenant je vais vous montrer mon colo avec l'image de ref à côté. Après, c'est un essai. Hein, voilà, j'ai envie de vous dire. C'est pas facile, mais c'est pas moche pour le moment. Voilà. Voilà ce qu'il donne pour le moment. Alors, est-ce que je peux mettre ma tablette à côté? Voilà. Alors, avec la lumière, vous ne voyez pas grand-chose, mais tant pis. Donc, écoutez, voilà. Voilà ce que j'essaie de refaire. Hier, j'ai dû m'arrêter là. J'ai pas mal utilisé les Posca parce qu'en fait, il y a du trait comme ça partout et ça m'agace. Donc là, je vais utiliser tous ces crayons-là. Donc mes polis, j'ai utilisé du Jelly Roll, des Posca. Mes petits rallonges crayons, là j'en ai deux sortes. J'en ai un comme ça et j'en ai deux comme ça. Parce qu'en fait, il y a deux embouts. Mais les drawings, l'embout là, en fait, il est trop grand. Et l'embout là, il est trop petit. Bon, bref, c'est pas bien grave. On se débrouille. Et là, juste à côté, j'ai utilisé de la peinture acrylique. Alors. Pour faire juste une seule chose, en fait, j'ai utilisé la peinture acrylique. Alors, je vais vous faire voir de près. Vous voyez, de près, on voit encore les traits d'en dessous. Mais quand je suis de loin, voilà, je vois plus trop. J'ai quand même fait trois couches. Bon, après, moi, c'est de la petite peinture acrylique bas de gamme. Hein. C'est ma fille qui l'avait pour aller au collège. Hein. C'est les trucs qu'on achète chez Leclerc ou Auchan, machin.
Et bon, je ne suis pas peinture acrylique, c'est pas que je me mets à la peinture acrylique, mais là, ça faisait tellement comme trace. En fait, j'ai passé une première couche de crayon, mais je dis non, ça fait pas beau, ça fait trop de traces noires, et moi, je voulais que ça soit vraiment bien jaune. Donc, j'ai pensé à la peinture acrylique. J'ai fait une première couche, une deuxième couche, je me suis dit, oh là là, ça fait un peu pâté, j'arrivais pas bien l'étaler. Et après, je me suis dit, bah écoute, essaye de mettre de l'eau, comme avec de l'aquarelle. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau, et ma foi, ça s'est un peu mieux lissé, on va dire. Ça fait moins moche que ça faisait. Bon, de loin, on va dire que ça passe et que voilà, l'effet que je voulais donner, on voit plus trop les traits noirs. Là, dans le blanc, bah, j'ai mis du Jelly Roll, pareil. Vous voyez, ça fait des petits traits. Je suis obligée, sinon il y a plein de traces là. Et là, je sais pas si je vais le faire aussi parce que parce qu'en fin de compte, quand on regarde de près, bah, regardez, on voit des traces quoi. Ça fait pas si beau que ça. De loin, ça fait bien par contre parce qu'on voit plus les petits traits noirs. Mais après, c'est le colo qui est comme ça donc. Donc là, j'ai commencé à faire parce que là, le bas des. Là, le bas est bleu. Donc j'ai juste fait là le bas. Il faudrait que là, je contourne. J'ai sorti mon Posca. Voilà. Donc je vais contourer. Bon, là, ça va être un effet bois sur la branche. Et puis après, tout le contour, eh ben, je vais faire plusieurs sortes de verres. Voilà. Après, il y a encore des papillons. Je les ai vus qu'après. Je me suis dit, bon, ben, on va s'arranger. On va essayer de faire peut-être. Je pense tout vert. Et puis les papillons, je vais reprendre des couleurs du toucan là, par contre, parce que. Sinon ça. Déjà le toucan il est bien coloré. Je ne vais pas reprendre trop de couleurs. Hein, sinon. Donc bah écoutez, voilà. Voilà pour le colo du moment. Et puis bah voilà. Sinon j'ai ma fille hier soir, elle s'est encore éclatée. Elle me fait ça. Comme je disais, le soir, en fait, je lui dis non, plus d'internet, vas-y, tu peux te mettre un film dans ta chambre, mais entre deux, tu t'occupes, quoi. Parce que quand elle est devant internet, voilà, quoi, elle est devant son portable, enfin oui, parce qu'elle a commencé à avoir un portable là pour que, oui, elle apprenne un peu à l'utiliser pour le collège. Mais bah, voilà, sinon, elle est toujours devant des vidéos YouTube, un peu comme nous. Et là, je lui dis, écoute, je lui dis le soir, non, je lui dis, tu te mets un film, et puis je dis, tu t'occupes, et du coup, bah, le soir, elle nous fait, pardon, des pixels. Voilà. Là, je m'éclaircis la voix parce qu'en fait, j'ai pas encore vraiment beaucoup parlé ce matin. J'ai ma fille qui a pas longtemps qu'elle est levée, mais elle me parle pas beaucoup le matin. Donc, bah écoutez, voilà. Ça va être tout pour ce petit rush-là. Je vous reprendrai plus tard pour vous montrer la suite. À plus tard. Hello, nous sommes le mercredi 9 août et il est aux alentours de 14h15. Donc, voilà, j'attendais que mon mari aille se coucher pour pouvoir vous faire une deuxième partie. Il me semble bien que c'est une deuxième partie parce qu'il y a tellement il y a quelques jours là que j'ai pas vlogué donc voilà. Ce matin j'ai commencé à 10h la chambre de ma plus jeune, je l'ai terminée, il était midi et demi, je vous dis pas, j'ai fait la chambre mais à fond, j'ai tout poussé, le lit, les meubles, tout, j'ai même rangé dans ses placards à jouer et tout parce qu'elle elle sort mais elle range à la va-vite. J'ai tout fait à fond, je suis trop contente, j'ai même fait des petits changements. Donc là en fait hier elle est partie chez sa grand-mère. Donc chez ma maman, qui a une petite voiture sans permis. Elle est venue la chercher hier midi, enfin vers 11h, 11h30. Après, en fait, elle voulait passer une petite fin 2 jours ensemble. Du coup, ma mère, elle l'a prise. Ils ont été manger dans une petite brasserie toutes les deux le midi. Après l'après-midi, ils ont été se promener en ville. Elle dit qu'elle a mangé tous les sous à mamie. Elle était trop contente. Ma mère y a acheté deux, trois petites conneries. Et puis, bah voilà, hier soir, ils se sont regardés un petit film ensemble. Et puis bah là, justement, elle vient de m'appeler. Elle me dit, bah oui, tu me manques. Je dis, bon, ça va aller. Tu me revois dans quelques heures. Mais c'est vrai que moi et mes enfants, mon mari, on se quitte pas beaucoup. On est souvent tous les quatre. Donc, mais j'ai là, tu reviens dans quelques heures. J'ai dit à mamie Sylvie, elle va venir te ramener. Et puis voilà. Puis comme ça, ma mère, le mercredi, comme elle est tout, elle vient là tous les mercredis, elle mange avec nous le soir. Et après, le soir, on se regarde un film ensemble. Donc, j'ai dit à ma fille, tu vas avoir une grosse surprise. J'ai dit, j'ai fait des changements dans ta chambre. Donc, j'ai retiré des trucs qui faisaient un peu bébé. Et puis voilà, il y a des mots. Là, hier, elle s'est rachetée. Un poster, pas hier lundi, on est allé se promener lundi. Elle est allée, ouais, c'est ça, elle s'est acheté un poster pour mettre dans sa chambre. Donc bah, j'ai enlevé un autre cadre parce que du coup, voilà, on rajoute, mais il faut bien retirer un petit peu. Voilà pour ça ce matin. Donc là, je viens seulement de me poser. Là, je suis encore, enfin, on va dire en pige parce que du coup, après la chambre de ma fille, je suis allée prendre ma douche et je me suis mis en pige. Et robe de chambre, oui, robe de chambre, parce que nous en Normandie, il devait faire la canicule et arriver là, là il fait tout gris et il fait 20 degrés. Comment vous dire que là dans les maisons, franchement, ça s'est bien rafraîchi. Hein. Moi là j'ai mon peignoir, je le supporte bien, hein, je vous dis, j'ai pas trop chaud. Voilà pour ça. Je voulais vous dire niveau colo, dans ma vidéo des coloriages terminés du mois, je vous ai montré mon vitraux que j'avais fait.
Et j'ai une gentille abonnée qui m'a dit, mais est-ce que c'est normal que les pieds de Mickey soient blancs? Alors si vous voulez aller revoir ma vidéo pour voir comment c'était, allez-y. Et en fait, bah, les pieds là, je les avais laissés blancs. Donc là, j'ai mis un effet un peu loin, mais c'est pour que vous puissiez le voir entier. Donc à mon avis, j'avais tout fait. Il restait plus que les pieds. Et en fait, j'avais attaqué mes petites zones blanches. Parce que moi, mes zones blanches, je ne les laisse pas blanches. Je fais des petits reflets un peu gris dedans. Et j'avais fait des reflets gris dans les chaussures, puis basta. Et je me disais, c'est bizarre quand même. Il fait un peu bizarre ce colo. Et j'ai ma petite abonnée qui me dit, voilà, est-ce que c'est normal? Donc du coup, j'ai été revoir, je dis, ben non, c'est ça qui va pas, ça flasse, c'est ça qui va pas dans le colo. Donc j'ai juste regommé mes petits effets gris, et voilà, j'ai refait la même couleur que plus tôt, en fait, pour que ce soit un peu accordé. Donc voilà, ça fait beaucoup mieux. Le colo me paraît beaucoup mieux. Donc là, ça y est, il est terminé, donc j'ai juste fait ça. Et en colo, j'ai fait aussi, je vais essayer de rapprocher un peu, là, parce que je suis avec mon portable, j'ai juste appuyé sur le chiffre 1, voilà. Donc le cercle de la vie et alors j'ai fini mon toucan. Voilà. Alors je sais plus si je vous avais, oui, je vous avais montré, je crois, sur ma tablette l'image Google que j'avais voulu prendre. Attendez, je bouge ma lumière parce qu'il fait tellement sombre. Et voilà, donc je l'ai terminé. J'aurais plus que la verdure à faire tout autour. Donc trop contente de ce qu'il donne. Il est bien peps, il est bien coloré, tout comme je voulais. Donc là, bah, l'effet arbre, là, je vais le faire marron. Là, tout le contour, je vais faire de plusieurs sortes de verts. J'essaie de pas trop m'éparpiller, en fait. Parce que lui, comme il est déjà bien coloré, voilà. Là, les papillons, je pense que du coup, je reprendrai des couleurs du toucan. Hein, et puis, voilà. Là, les fleurs aussi, je pense que je reprendrai orange-jaune, certainement. Voilà. Voilà, je suis contente. Hein, il donne bien. Suis contente. Voilà pour ça. Et ce que j'aurais pu vous montrer aussi, mais c'est pas grave, du coup je vais ressortir mon vitrou parce que je ne vous ai pas dit. Et je vais vous reculer de nouveau. Vous n'allez pas trop vomir, ça va? Voilà. J'ai Jennifer sur Instagram qui m'a envoyé un petit message en privé. J'avais déjà fait des duos avec elle. Et elle me dit, écoute, est-ce que tu aimerais bien qu'on se fasse ben, un duo tous les mois dans le vitrou? Ça nous permettrait de l'avancer. Et ben moi, nickel, pas de souci, les vitraux en plus, j'adore. Donc, moi souvent c'est ça, je fais choisir. J'ai dit, bah, écoute, envoie-moi plusieurs colos qui t'inspirent et moi je vais choisir celui enfin, de ceux que tu m'as envoyé. Et on a choisi, alors normalement j'avais mis un marque-page. Où est-il passé? Il n'est pas là. Oh non, il va falloir que je recherche. J'avais mis un marque-page sur le côté, je l'ai mis où? Et en fait, on a choisi Arlo. En fait, il y avait Arlo, il y avait Mickey, mais Mickey, je venais d'en faire un, donc j'avais pas trop envie de me refaire. Allez là. J'avais pas trop envie de me refaire un Mickey. Et du coup, j'ai choisi celui-ci. Arlo. Alors, j'ai été chercher une image sur Google. Alors, enfin, je connais Arlo comme ça de nom, mais je n'ai jamais vu le colo. Et je suis en train de me dire, ces trois-là, je ne sais même pas qui c'est. Va falloir que j'aille chercher sur Google parce que j'ai cherché Arlo mais j'ai pas cherché ces trois-là. Je ne sais pas du tout si c'est ses copains ou si c'est des méchants ou j'en sais rien du tout. Mais bref, on s'est choisi celui-là et je pense que du coup je vais le commencer tout de suite celui-là. Comme ça va me faire une petite pause sur le toucan. Et je vais commencer le vitraux. Voilà, je pense que je vais faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un matin, j'ai essayé de faire un live. Alors, entre guillemets, on va dire, on est resté un quart d'heure. C'était vraiment pour faire un essai. Et bah, écoutez, ça a bien fonctionné. J'ai bien réussi à lancer le truc. Il y a juste une petite abonnée, une autre abonnée du coup, qui m'a dit, mais comment ça se fait? Je voulais venir sur ton live et ça me mettait que c'était privé. Alors là, j'ai dit, je ne peux pas te dire du tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est moi qui ai mal mis les paramètres ou quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Donc la prochaine fois, je ferai attention de bien mettre les paramètres. Et surtout, si vous voulez venir participer à des lives et que vous, enfin voilà, vous n'y arrivez pas parce que c'est écrit, venez me le dire surtout parce que c'est pas normal. Hein. Moi, enfin, j'avais marqué public, hein, donc tout le monde a le droit de venir. Mais bon, là, c'était juste un essai d'un quart d'heure. J'ai papoté un petit peu, j'ai juste montré mon colo en cours. Et bah, voilà, ça a super bien fonctionné. Il y avait juste les commentaires que je bidouillais, mais du coup, je pense qu'il faudrait que je prenne la tablette de ma fille, comme ça moi je filme avec mon portable et je verrai les commentaires sur sa tablette à côté. Je pense que je ferai comme ça. Là je sais pas quand est-ce que je referai un live.
Quand j'ai dit ça sur Instagram, on m'a dit surtout n'hésite pas à dire que tu vas faire un live, quoi, à l'annoncer, comme ça bah, c'est sûr que j'aurai peut-être un peu plus de monde. Donc voilà, la prochaine fois que je ferai un live, je l'annoncerai sur Insta. Et puis voilà, trop contente que ça fonctionne et j'ai hâte de refaire des lives. Voilà pour ça. Sinon, aussi autre chose, j'ai fait des petits achats. Donc je vous ai dit que lundi on s'est promené, hier à Action. Vous allez me dire, celle-là est tout le temps barre à Action. Je me suis acheté ça, voilà, c'est juste un pot à aquarelle. Il y en avait beaucoup qui l'avaient déjà. Et moi je ne le trouvais pas. Et bon, pour l'instant, comme je me lance dans l'aquarelle, pour l'instant c'est un début. J'utilise celui-ci, moi, comme pinceau à réservoir d'eau. Enfin, ça fait 2-3 fois que j'utilise des Néocolor 2 pour faire l'eau. Donc j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Mais je m'étais acheté quand même 3-4 bons pinceaux comme ça chez Leclerc. Voilà. Donc, vous voyez, comme ça on peut faire ça. Ils tiennent comme ça. Voilà. C'est cool. Donc je me suis acheté ce petit pot-là. Pour pouvoir essayer de m'améliorer avec de l'aquarelle. Voilà. Ce que j'ai acheté aussi d'autres. J'ai trouvé ça. Je les avais déjà vus aussi. Alors souvent, ce que je trouvais, c'était des mines biseautées. Et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Il n'y avait que des mines biseautées. Et là, bah, ce sont des mines assez fines. Donc, qu'est-ce que ça vaut? Puis il y a une mine brush aussi. Qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. C'est du Action. Je crois que j'ai payé ça à 2 euros et quelques. Je ne sais plus. J'ai plus le ticket de caisse parce que pour le peu de choses que j'ai acheté, je n'ai pas demandé de ticket. Parce que maintenant, il faut demander le ticket. Mais voilà, je n'allais pas me faire rembourser ça. De toute façon, si ça marche ou ça marche pas, je vous dirai ça. En plus, c'est pas des choses que j'utilise beaucoup, c'est juste quand je fais des portraits pour faire des maquillages. Je trouve qu'à chaque fois, j'ai jamais ce qu'il faut pour en faire les yeux. Et je me suis acheté aussi ça. C'est pour faire les. Dans mon petit carnet là, YouTube, coloriage terminé. Voilà. Ces petites. Je trouvais ça trop beau là, les fleurs. Le piano, il est trop beau. Les papillons, l'oiseau, il est trop chou avec la clé là. J'aimais trop. Donc j'ai acheté. Et là, l'arche, elle est trop belle. J'aimais trop, donc j'ai acheté lui et j'ai acheté celui-là aussi. Plus dans l'été, vous voyez, voilà. J'aimais bien aussi. Et en plus, ça peut donner pour faire des alvéoles et tout. C'était sympa. Voilà. Voilà, je me suis acheté ça. Et bah écoutez, je crois que c'est tout. Là, je vous dis, je m'en vais commencer le vitraux. Mais il va falloir que je cherche c'est qui les trois dinosaures avec là. Je sais pas du tout. Il va falloir que je demande à ma fille. Eh bien écoutez, voilà pour ça. Je vous reprendrai plus tard pour vous montrer mon avancée. Allez, à plus tard. Et recoucou, nous sommes le lundi 14 août et il est 17h30. Donc, voilà, je vous reprends après ma petite après-midi colo. J'ai pas non plus colo tout l'après-midi, parce que je m'y suis mis, il était quelle heure? Il devait être 14h30 peut-être. Et donc là, bah, il est 17h30, enfin c'est déjà pas mal, hein, ça fait déjà 3 heures. Je vais donc vous faire voir mes petites avancées colo et écoutez, et on va clôturer le vlog aujourd'hui comme ça je vais pouvoir vous le mettre juste après. Alors cet après-midi j'ai fait, alors là je vous prends un peu de loin mais c'est vrai que je vais vous montrer celui-là, donc je voulais vous le faire voir en entier. J'ai fait ce colo-là, ce mystère, voilà. Donc là j'ai déjà mis ma petite feuille plastique, voilà. Le line était déjà fait, hein, j'en ai encore un de fait par là. Donc cet après-midi, en début d'après-midi, j'ai fait celui-là. Il m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est que je fais les contours au paper mate, mais je crois que je vais arrêter. Je trouvais ça super bien, franchement, parce que c'était bien noir et tout. Mais moi, mes Faber-Castell-Pitts, ils font baver le noir à chaque fois et je trouve que ça fait pas propre. En fait, sur les couleurs foncées, là, comme ça va. Mais c'est à chaque fois sur les couleurs un peu peau, comme ça, là, ça fait noir, quoi. De loin, peut-être que ça passe, mais de près, ça fait des traces noires. Lui, à côté, me l'a déjà fait. Lui, me l'a refait. Bon. Là, j'ai fait le trait là, donc je ferai attention. Mais il va falloir que je trouve autre chose pour faire les traits noirs. Mais sinon, bah, je suis contente. Je suis à peu près à 30 colos parce que j'en ai fait 2-3 à l'intérieur, comme ça. Donc là, maintenant, je les fais à la suite. Il avance bien, ce petit mystère. Ce petit livre mystère. Donc voilà, j'ai fait celui-là avec mes Faber-Castell-Pitts, hein, comme d'hab.
Ensuite, j'ai commencé mon duo avec Jennifer. Elle a quasiment déjà terminé. Elle m'a fait voir, parce qu'on se communique un petit peu comme ça. Et elle n'avait plus que le contour à faire. Mais bon, moi, je l'ai bien avancé. Mais bon, j'en suis loin de l'avoir terminé quand même. Parce qu'en fait, j'ai deux en cours. C'est rare, mais ça m'arrive. Voilà, donc j'ai celui-là. Est-ce que si j'éteins, vous voyez mieux? Ouais, ça fait terne. Bah là, en fait, aujourd'hui, il a fait pas trop mal, mais là, il n'y a pas trop de soleil. Donc, voilà ce qu'il donne. Hein, voilà. J'ai fait les personnages, j'ai plus qu'à faire les fonds, voilà. Mais j'ai mon idée, donc ça risquerait de bien avancer. Et j'utilise les polychromos. Donc, moi, je les ai fait. Enfin, il me semble que j'ai vu que Jennifer avait fait les trois de la même couleur. Je vous dis, j'ai été voir une photo sur Google, il me paraissait quand même un petit peu différent. Bon, bah, moi, je les ai fait un petit peu différemment. Je verrai bien. Mais voilà pour ça. Comme ça, je suis contente. Lui, les persos sont finis. J'ai plus qu'à faire. Non, je vais laisser plutôt ça comme ça. Et je n'ai plus qu'à faire les fonds. Voilà pour lui. Et donc après, donc là, enfin, le Harlow, je l'ai. C'est pas aujourd'hui. C'est quand que je l'ai fait? Je sais plus quand est-ce que c'est. C'était la semaine dernière. Et là, par contre, donc aujourd'hui, j'ai fait mon mystère et j'ai continué un peu mon toucan. Voilà, j'ai commencé à faire la verdure. Donc là, je vais essayer de vous rapprocher contre. Voilà. Voilà ce qu'il donne. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien les feuilles. Alors, c'est long. Là, ça fait peut-être 1 heure. En 1 heure, j'ai fait que ça. Mais j'utilise. Ces crayons-là, pareil, les polis. Alors, j'ai réussi à arracher un bout de papier. Là, de loin, ça passe parce qu'en fait, j'ai mis un coup de gomme. En fait, je colore et après, enfin, je colorie, pardon. Et après, je mets un petit coup de gomme dans les espèces de gouttes d'eau. Et là, hop, ouais, voilà. Là, regardez, j'ai déchiré le papier. Je sais pas comment j'ai fait, hein. Pourtant c'est un papier super épais et tout. Mais j'ai remarqué que si mes crayons sont trop pointus, et ben ça me déchire le papier. Bref, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais pas fifou, hein. Ouais. Pourtant le papier est super épais, je comprends pas. Mais bon, j'aime bien ce qu'il donne. Hein. Franchement, il faut que je garde ces mêmes coloris-là dans tout le verre tout autour. Et je trouve que ça va bien donner. Après, avec le fond, j'ai pas encore trop d'idées, franchement, le fond. À part du bleu, je vois pas ce que je pourrais faire parce que comme il y a du bleu là-dedans et un peu de bleu là, peut-être que je vais faire un peu de bleu dans le fond. Pas trop d'idées pour le fond. Mais bon, déjà une fois que tout ça sera fait, on verra pour le fond. Donc bah, écoutez, voilà pour ça. Ensuite, je me suis fait une commande sur le Géant des Beaux-Arts. Je sais pas quand est-ce que je dois la recevoir. Ça fait plusieurs fois que je dis à mon mari, as-tu des nouvelles? C'est écrit que la commande est partie, mais en fait, il n'a pas de numéro de suivi du colis. Donc, en fait, on ne sait pas où il est. Donc, je ne sais pas. Je me suis commandé plein de polis. J'ai ma liste qui est là. Donc, il fallait que je me commande tout cela. Donc, c'est écrit moche, hein, je m'en fiche, parce que j'ai fait ma petite liste. Et à ma maman, il lui en fallait quelques-uns aussi. Excusez-moi, vous entendez peut-être du bruit dehors, mais il y en a un qui est en train de faire de la débroussailleuse ou je sais pas quoi. Et ma mère, elle commence à faire des mystères. Enfin, elle fait des mystères depuis longtemps, mais elle commence à faire des mystères aux crayons de couleur aussi. Elle a quelques polis et cela me dit partent vite. Donc j'ai commandé cela à ma mère. Et puis moi, je me suis commandé cela. J'en ai eu pour à peu près, je crois, 70 euros. Il y avait 8 euros de frais d'envoi. Bon, ma mère, déjà, elle est toute seule, elle en avait pour 20 balles. Donc bon, ben voilà. Et il me semble, d'après ce que j'ai vu, qu'ils vont m'offrir, je crois, un crayon, un stylo. Enfin, je sais pas trop. C'était écrit sous mon mari. Sur le coup, il me dit, t'as commandé des stylos? Je lui dis, bah non. Mais il me dit, attends, il y a deux trucs d'écrit là. Et en fait, c'était écrit 0 euros. Donc, peut-être que je vais avoir deux petits cadeaux. Je verrai bien. Ça, vous le verrez certainement dans le prochain vlog. Voilà, bah écoutez, je vais couper maintenant. Je pense vous le mettre maintenant, là, le vlog. Et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à commenter la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, je vous dis à plus tard. Bye.